Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est notre dernière séance spéciale et on finit par une séance spéciale gainage. Le gainage consiste en la contraction isométrique des muscles, c'est-à-dire à longueur constante, sans raccourcissement ou étirement. On va travailler les chaînes postérieures et antérieures du corps. Il va y avoir un mix entre le temps de pratique et les répétitions. Je vais donc prendre un rythme, mais vous pouvez aller plus vite ou moins vite selon vos capacités. Souvenez-vous, on s'applique avant tout sur les postures. On va d'abord faire l'échauffement. Puis ensuite, je vais vous montrer l'exercice durant la séance. Donc si vous êtes prêts, on commence l'échauffement. Allez, on débute l'échauffement par de la mobilisation articulaire. Donc on va ouvrir un bras et on va tourner la tête du côté du bras qui est mobilisé. On va faire la même chose, vous baissez la tête, vous levez la tête vers le plafond en levant les bras. C'est pour ça qu'on va mettre le pied en arrière. On va faire la rotation complète. D'un côté, on va faire deux d'un côté, trois d'un côté. Et on va alterner. Donc, la même chose, donc 3 en arrière, 3 en arrière de ce côté. Et on fait un de chaque. Ok, on vient ouvrir et fermer. Alors maintenant on va faire quelques fentes latérales. Donc ici je me suis debout, les jambes au niveau de l'écartement, c'est bassin, largeur de bassin, je vais bien étirer et venir m'asseoir. Faites attention à ce que mon genou ne dépasse pas mes pieds. Les bras, vous les mettez où vous voulez en fait, hein. Pas nécessairement obligé de les mettre devant, même les laisser le long du corps. Là, l'idée c'est de venir s'asseoir. Ici, je vais m'asseoir. Le poids sur les talons. L'exercice suivant, donc on va pivoter les hanches et faire un grand pas et faire des fentes. Donc ça va être les comptes sur les murs. Donc souvenez-vous, demain au niveau du mur. On est, bon je place ici parce que j'ai pas de place. Là, au niveau des épaules. Et plus on va s'éloigner du mur, plus ça va être difficile. Plus on va se rapprocher, plus ça va être simple. D'accord? Et moi je me mets le dos à vous. Allez c'est parti. L'exercice suivant, cette fois-ci on va prendre un tapis. Bon, c'est pas nécessaire, mais on va aller au sol, disons. C'est avec mon pilier, donc la même chose. Alors si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez le faire au mur aussi. D'accord? Donc on partira en position de pompe et on va poser un coude puis l'autre contre le mur. Pour ceux qui arrivent, on va le faire au sol. Il est difficile de l'opposer ici. Et
normalement. Donc on peut faire la même chose debout, hein, au niveau du mur. On place les coudes bien sous les épaules et après les mains bien sous les épaules. Donc en fait on place les mains par les coudes. Voilà, d'accord. Ensuite exercice suivant, alors ça va être la même posture sur les mains ou sur les pieds. On va se grandir ici, les pieds légèrement écartés. On vient venir pousser les fesses vers le haut et revenir. Mais on fait attention quand on revient de ne pas cambrer, on ne cesse pas d'emporter. Là, c'est parti. Donc, si vous voulez poser ses talons au sol, si vous y arrivez, c'est très bien. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Grandis bien. Allez bien, soufflez. Exercice suivant, donc on va s'asseoir sur son tapis. Ici. Donc les pieds à plat. Ici pareil. Largeur des hanches. On va ouvrir les épaules, pousser la poitrine vers l'avant. Et on va verrouiller sa hanche. Maintenant on va laissez les épaules partir en arrière et levez les pieds. On va tenir en équilibre. Si c'est très simple pour vous, vous tendez les jambes. Sinon, vous laissez les jambes plier. On sait bien respirer. Ok, on relâche. Exercice suivant, donc c'est la même chose mais un peu plus difficile on va dire. En fait, on va rouler sur le dos. On fait attention à la tête et en revenant, on va venir bloquer. C'est-à-dire qu'on ne repose pas les pieds. On va essayer de revenir à la position précédente. C'est parti, on lance ici. Attention à ce que les pieds ne dépassent pas trop la tête, pas nécessaire. Et on bloque, donc on se grandit bien. On verrouille bien les abdos et le dos est bien droit. Lancez, aidez-vous de l'élan. Voilà, le travail se fait sur le retour, le fait de retenir le corps en fait. Ici, là, je le retiens, le travail se fait ici. Ok. Allez, c'est déjà la fin de l'échauffement. On va faire un échauffement. On fait un échauffement assez court, il n'y a pas besoin de faire un gros échauffement, surtout que ça va être assez progressif. Voilà. Et le gainage, vu qu'il y a peu de contractions ou d'étirements, le risque de blessure est moins grand. Néanmoins, si vous n'êtes pas assez chaud, vous pouvez refaire une série d'échauffements, il n'y a pas de souci, hein. Il faut vraiment que vous vous sentiez bien pour pouvoir faire cette séance. Pour ceux qui sont prêts, on passe au gainage alors. Et c'est parti pour la séance. Alors, 8 exercices aujourd'hui de gainage. Alors, il va y avoir des répétitions et des temps de pratique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, pour les temps de pratique, ça sera 30 secondes, à part un exercice où ça sera 45 secondes. Voilà, histoire de bien rentrer dans la séance. Et ensuite, pour les répétitions, ça sera 15 répétitions. Dans le cas où on fait des exercices unilatéraux, ça sera bien sûr 15 secondes. 15 répétitions pardon, par côté. Allez, donc premier exercice qu'on avait déjà fait, un exercice de posture de gainage que je trouve intéressant. On va écarter les bras ici, fléchir, donc déverrouiller le genou, lever la jambe, tendre la jambe, à l'étoile, pour se monter le plus haut possible. On va essayer de bloquer à chaque fois un petit peu. Une fois qu'on est là, on tourne vers le genou. On revient. On change de jambe. On déverrouille le genou. Gauche pour moi. L'autre genou. Voilà.
avant. Bien sur ma jambe, je vais mettre pareil ensemble. Je reviens et je recommence de l'autre côté. Très bien, et voilà pour le premier exercice. On met de se concentrer, de se mettre dedans. Allez, deuxième exercice. Donc là, cette fois-ci, on va prendre le tapis, un petit peu de gainage. Donc tout le monde se souvient de comment on fait le gainage. Des coudes sous les épaules, une rétroversion du bassin, on verrouille les fessiers, on rentre bien le ventre et on pense à respirer. Allez, si tout le monde est prêt, on se met en position. Donc ici, je me place en conversion et c'est parti. Allez. 45 secondes. Si vraiment c'est trop difficile, vous mettez sur les genoux. Mais il faut que votre dos soit bien droit. On essaye de se grandir. Il reste 15 secondes. Tiens, relâchez. Ok. On souffle, exercice suivant. Alors cette fois-ci, on va se mettre à quatre pattes. Ici, on reste ici à quatre pattes. Je vais lever une jambe, par exemple moi la jambe gauche, et lever le bras opposé. Ici. Alors, une fois qu'on est comme ceci, il faut que les mains restent bien parallèles au sol. Ça, c'est important. Et les pieds aussi, et je vais décaler latéralement en essayant de rester le plus parallèle au sol possible. On va faire 15 répétitions à droite et 15 répétitions à gauche. Si vous êtes prêts, attention. De l'autre côté maintenant, on se place dans l'autre jambe. Ok. Allez, soufflez.
L'exercice suivant, bon là c'est travailler sur la chaîne antérieure, un peu devant du corps. Je vais m'allonger sur le dos, souvenez-vous, rentrez le ventre, on sent le périnée, on colle bien le dos au sol, je vais lever mes deux genoux, les tibias parallèles au sol et je viens placer les bras en croix ici. Maintenant je vais lever les épaules et je vais enlever une plus que l'autre ensuite. Là je lève les deux épaules et après j'enlève une à droite, une à gauche. Je fais glisser en fait les mains. On avait fait cet exercice là où on venait faire les suites là. Cette fois-ci c'est la même chose, mais on vient lever l'épaule vers le haut ici, d'un côté et de l'autre. Et pendant tout l'exercice, les deux épaules restent décollées. Allez, c'est parti. Pareil, on fait 15 répétitions de chaque côté, donc ça fait 30. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Ok, soufflez. Alors là, c'est important. Alors essayez de bien lever l'épaule en fait. Lever, lever. L'exercice suivant, on va partir en même position ici. Et cette fois-ci, on va travailler la chaîne postérieure. Et donc, ce ne sont pas les épaules qui vont bouger, mais les genoux. Alors on va essayer de coller, sans décoller les hanches, mais on va essayer de rapprocher le plus possible les genoux de la poitrine. Et on va devoir poser les genoux au sol. Alors on fait attention quand on pose les genoux à ce qu'ils ne s'éloignent pas de la poitrine. D'accord ? On essaie de les garder le plus près possible de la poitrine. Et là on va travailler chaîne postérieure. Ici. Alors certains muscles vont travailler en concentrique, hein, bien sûr. Ils vont bouger, mais certains muscles vont travailler en gainage. Voilà. Tous les muscles ne travaillent pas en gainage pour tous les exercices, d'accord, notamment celui-là. Et bien sûr, il y a des muscles qui travaillent en concentrique, excentrique. Mais il y en a certains, notamment ceux qui doivent maintenir la posture, vont travailler en gainage, en contraction isométrique. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, pareil, 15 de chaque côté, donc on alterne droite et gauche. 4, 5, on essaie de garder les épaules au sol. 6, 7, 8, on rentre le ventre. 9, on serre la ceinture pelvienne. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Allez, dernière série. 1, 2, on pense à bien inspirer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 30. Allez bien. Allez, pareil, on va souffler un petit peu. Le prochain exercice sera aussi sur le dos. Alors, pour le prochain exercice, on va tendre les jambes. Ici, voilà. Essayer de bien coller son dos au sol. Alors, sans trop exagérer, ni de toute façon, ni dans un sens, ni dans un autre. Hein. D'accord ? Faut pas être trop cambré ou alors vraiment trop bossu. D'accord ? Ici. Alors là, l'idée c'est que on va ramener légèrement les talons. Donc on va légèrement décoller en fait les genoux du sol et on va venir monter les hanches. Donc là, ici, on ne touche plus. Et on va rester comme ça, on va rester comme ça 30 secondes. Alors, si jamais c'est vraiment trop difficile, vous pouvez faire l'exercice de pont classique, c'est-à-dire les deux pieds au sol.
venir monter ici. D'accord, mais là l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de travailler comme ceci. Allez, c'est parti. On monte. Donc voilà, très légèrement. Hein. Plus on plie les jambes, plus ça va être simple. Plus on les laisse tendues, plus c'est difficile. Donc pareil, on serre les fessiers, on rentre le ventre. On va travailler, hein, vous devez sentir l'arrière des jambes. Allez, on tient encore un petit peu. Relâchez. Allez, on souffle. Allez, maintenant on va passer sur le côté. Donc, gainage costal. Donc ça, vous avez l'habitude de faire le coude sous les épaules. Alors soit je place mes deux pieds l'un sur l'autre, soit les pieds l'un derrière l'autre. Alors, vous avez le choix, mais moi je n'aime pas beaucoup passer la jambe arrière devant, parce que ça fait tourner la hanche vers le tapis, alors qu'on veut justement l'inverse, qu'elle soit bien bien dirigée vers le haut. Non, vous faites si vous voulez, mais il faudra faire attention à ce que votre hanche ne tourne pas complètement. Voilà. C'est pour ça que moi je préfère, en fait, la jambe qui est le plus près du plafond, je préfère la mettre derrière. Comme ça, je suis sûr que la pointe de ma hanche est bien vers le haut. D'accord ? On vérifie que l'alignement tête, bassin et talon est maintenu. D'accord ? On fait 30 secondes d'un côté, puis 30 secondes de l'autre. Allez, attention, on se prépare. Et c'est parti. Ok, la tête alignée, on regarde pas ses pieds, on regarde pas ses coudes. Donc on aligne bien la tête. Donc on s'arrête. On reste 10 secondes. Et ensuite on change de côté. Ok, relâchez, change de côté, on enchaîne tout de suite. C'est parti. Allez, 10 secondes. 5. Exercice suivant, alors ça va être un peu la même chose, pas tout à fait. On va s'allonger sur le dos. Alors, moi je place mon bras à 45 degrés. Alors, si vous pouvez le mettre ici, mais moi ça me fait partir en arrière, j'aime pas trop, mais c'est mon avis. Je mets ici à 45 degrés, je pose ma tête dessus. Là je vais bien aligner ma hanche avec mes chevilles, c'est d'accord. Et moi je place ma main ici. Si jamais c'est trop compliqué, vous pouvez passer votre main devant ici. Pour maintenir votre équilibre, parce que maintenant il faut relever les deux pieds et maintenir la position. Voilà. Donc soit vous tenez l'équilibre sur votre hanche, soit si vous sentez que vous partez en avant ou vous partez en arrière, vous les placez votre main ici, voilà, pour maintenir un équilibre correct. D'accord ? Ici. On verrouille bien les fessiers, on bien le ventre. Si c'est bon pour tout le monde, on va démarrer pareil, 30 secondes de chaque côté. Alors, attention, c'est parti. Ça ne tombe pas vers le sol. Il faut vraiment que la pointe elle soit vers le plafond. Trop souvent on est un peu comme ça. Là. Si vous êtes un peu en dedans, c'est pas bon. Et c'est pour ça que c'est important de venir poser la main. Vous devez être en équilibre sur votre hanche. Voilà, c'est bien. Allez, bien. Dernier exercice. Alors là, on va venir se placer assis. Pareil, les jambes pliées. Largeur de bassin. On va poser les mains en arrière. Alors, soit les doigts vers vos pieds, soit les doigts
vers le loin là-bas derrière. Ok, moi je préfère venir ici. On va se placer sur une fesse et on va lever les jambes sans les reposer au sol ensuite. 15 battements à droite, puis 15 battements à gauche. Ok, allez, ici. Donc pareil, on verrouille les fessiers, on verrouille. On rentre bien le ventre, rentre le plancher, pelvien. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, change de côté. Alors, c'est trop difficile, vous mettez un peu plus vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, bien, soufflez, respirez. Donc voilà les 8 exercices de gainage. Donc, j'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à refaire une deuxième série si jamais vous en avez envie. Moi, j'en montre qu'une seule pour éviter que la vidéo soit trop longue. Mais faites-en une deuxième, voire une troisième. Il n'y a pas de souci. Ça fera 40, même une heure de séance, un peu moins. Donc, n'hésitez pas. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle séance de Taïso. Gardez la forme et surtout, prenez soin de vous.